Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai pris le risque d'aller au jardin pour vous faire profiter un petit peu de la nature. Et même si un orage se prépare, et ben écoutez, c'est pas grave, j'ai pris la protection du feuillage dense et profondément vert du charme commun qui trône dans le jardin. Voilà, donc je vais avoir un petit teint peut-être un peu vert aussi, mais bon, bah, c'est pas grave. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui de la lune bleue. Alors voilà, nous sommes dans une ambiance verte, mais moi je vous parle de bleu. Toutefois, la lune bleue, désolée de vous décevoir, elle ne sera pas bleue. Elle sera toujours aussi belle dans sa robe argentée. Ceci dit, il arrive que la lune soit bleue lorsqu'il y a par exemple des incendies ou des éruptions volcaniques, parce que tout ce qui est envoyé dans l'atmosphère, dont la cendre par exemple, fait que on voit la lune dans des teintes bleues. Mais en fait, elle n'est pas bleue elle-même, c'est une illusion d'optique par rapport à une réaction chimique. Donc voilà, la lune ne sera pas bleue, elle sera toujours argentée. Mais ça reste une pleine lune. Et c'est une pleine lune qui, à la différence des autres, s'est incrustée comme ça dans notre calendrier, alors qu'on n'en a que 12. Et bien cette lune bleue, c'est la 13e. C'est-à-dire qu'on a 12 mois, et dans ces mois, on a une pleine lune par mois. Et bien là, au jour où je fais cette vidéo, la pleine lune sera la prochaine pleine lune et lune bleue sera le 31 juillet 2015 à 12h45 et 46 secondes pour la France. Donc en fait, ce phénomène n'a rien de magique en soi, mais vous pouvez faire un petit charme associé à cette lune bleue. Les pratiquants en magie vont faire un rituel spécial, une dévotion spéciale. Maintenant, si vous n'êtes pas pratiquant, vous pouvez faire tout simplement un petit charme que je vais vous expliquer après et qui peut grandement vous aider, je pense. Normalement, à la pleine lune, c'est vrai que moi je vous conseille toujours de faire le charme du basilic pour attirer l'argent, en tout cas pour garder le peu qu'on a. Et là, vous pouvez, quand il y a la lune bleue, faire ce charme-là, le charme du basilic, mais aussi associer le charme de la lune bleue. Donc, avant de vous parler du charme, j'aimerais vous parler, on va dire, de l'origine. Parce que, bon, voilà, j'ai fait beaucoup de recherches. Et que ce soit en français ou en anglais, finalement, on arrive au même. Il n'y a pas vraiment d'origine. En fait, les origines sont toujours dans la suspicion, mais c'est jamais autre chose. La conclusion, c'est que les étymologistes disent que non, en fait, toutes les origines pour lesquels on a cherché ou on a été un petit peu au fond des choses, non, en fait, la lune bleue, c'est la lune bleue, ça a découlé comme ça pour X et Y raison et ça ne veut rien dire spécialement. Donc c'est vrai que souvent on va lire la lune bleue, c'est relatif à la blue moon en anglais, blue moon qui est dans une expression, je crois que c'est once in a blue moon, qu'on peut traduire chez nous comme tous les 36 du mois. Et voilà, il pleut et moi je suis au sec. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec la blue moon anglaise. Donc il y a aussi dans un pamphlet de 1528, où
où l'église romane était attaquée dans un pamphlet où on essayait de statuer sur quelque chose d'absolument ridicule, et puis bon, bah, à un moment donné, il y en a deux qui se sont dit, bon, bah, s'ils nous disent que la lune est bleue, on va croire que la lune est bleue. Mais pareil, ça n'a absolument rien à voir avec notre lune bleue actuelle. Effectivement, il y a aussi, par rapport à tout ce qui est éruption, incendie, etc., qui font que la lune peut paraître bleue, et que effectivement un jour il y a eu une 13e lune et que elle est tombée dans le moment où c'était bleu, mais en fait ça n'a quand même rien à voir. Donc, j'ai pas grand chose à vous raconter au niveau des origines, du coup. Mais bon, on s'en fiche bien, c'est poétique, une lune bleue, et puis ça permet de la distinguer des autres pleines lunes. Alors, pourquoi est-ce que comme ça on a une 13e lune qui arrive alors que d'habitude on n'en a que 12? Eh bien, tout simplement parce que le cycle de la Lune est de 29 jours et demi, en fait, exactement. Et nous, nos mois font 30-31 jours. Donc, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a un décalage par rapport à l'orbite de notre satellite. Et du coup, tous les 2 ans et demi, 3 ans, on a une 13e Lune qui vient se greffer. Et puis, il arrive, comme en 99, je crois, que un mois n'est pas de pleine lune, mais qu'un autre mois en est deux. Et donc c'est ce qui est arrivé en janvier et en mars, où il y a eu deux pleines lunes, et en février il n'y en a pas eu du tout. Donc deux lunes bleues dans une année, c'est également possible. Trois, à mon avis, c'est peu probable, à moins qu'on ait un gros problème, mais voilà. Donc en fait, c'est juste c'est une sorte de rattrapage, comme les années bissextiles, où on a un 29 février tous les 4 ans. Bon, c'est une sorte de rattrapage. Parce que là aussi, je ne sais plus d'où ça vient exactement, mais en gros, l'année tropicale, c'est... elle fait 365 jours et 6 chiffres après la virgule, alors que nous, notre année fait 365 jours, pile. Et du coup, au bout d'un moment, il faut se maintenir par rapport aux saisons. Et du coup, notre calendrier n'est qu'une moyenne de l'année tropicale qui elle, fixe les saisons, d'où le 29 février. Voilà, comme ça, vous avez peut-être appris un truc en plus. Alors bon, revenons à notre lune bleue et à ce charme tant attendu. Donc, vous pouvez faire le charme du basilic et le charme de la lune bleue l'un derrière l'autre. Il n'y a absolument aucun problème, hein. Mais toujours avec votre cœur, dans le calme et la patience. C'est pas la peine de vous précipiter en vous disant allez, je le fais vite fait, je suis crevée, je vais me coucher, hein. Ça prendra pas. Donc là, en fait, il vous faut tout simplement une feuille de papier et une plume. Inutile de prendre un parchemin végétal, vous pouvez prendre une simple feuille de papier. Inutile aussi de prendre une grande plume d'oie ou d'autruche magnifique, et puis avec une pointe de métal et votre encre, parce que vous n'aurez besoin que d'une plume et de sa hampe naturelle, c'est-à-dire sans pointe de métal pour écrire. Donc si vous êtes comme moi, j'essaye de lutter au maximum contre de tout ce qui est industriel, machin. Donc moi, j'ai pas de grande plume d'oie. J'ai une jolie plume de pie qu'une pie a laissée dans mon jardin un jour. Et donc du coup, voilà, elle est à peu près comme ça. Elle paye pas de mine, mais voilà, au moins je me dis que c'est la nature qui me l'a donnée. Et puis j'ai fait de mal à personne et je n'ai rien. Je n'ai été complice d'aucune cruauté par rapport à tout ça. Donc voilà, vous prenez la plume que vous voulez, hein, et puis le papier que vous voulez. Et non, vous ne prendrez pas d'encre. Mais comment vous allez faire pour écrire alors? Eh bien, c'est tout simple. En fait, ce charme se fait à la nuit tombée, que la lune soit voilée ou non.
Si elle est voilée, vous faites appel à votre imagination. Vous verrez quand même de la lumière. Vous verrez quand même un point lumineux derrière les nuages qui vous diront « la lune, elle est là ». Mais si elle n'est pas voilée, alors là, c'est encore mieux. Là, c'est Byzance. Vous prenez votre papier, vous vous installez confortablement dehors. S'il fait trop froid, essayez quand même de pouvoir ouvrir la fenêtre pour avoir un contact direct avec la nature, avec l'oxygène. Et vous prenez votre plume et avec la hampe de votre plume, vous faites comme si vous trempiez la hampe de la plume dans la lune. Et en fait, votre encre, c'est la lumière lunaire, tout simplement. Donc, vous prenez votre plume, vous trempez la hampe dans l'encre lumineuse, et puis vous allez écrire sur votre papier. Alors forcément, il va rien se passer, vous ne verrez aucun mot, mais ça c'est sur le plan matériel, au niveau de notre réalité. Maintenant, vous allez en fait pratiquer une visualisation créatrice en faisant ça. Vous visualisez une encre lumineuse sur le bout de votre plume et vous visualisez cette encre se déverser sous forme de mots lumineux sur votre feuille. Évidemment, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien du tout par rapport aux mots que vous aurez laissés. C'est sur l'instant. En fait, vous récupérez des énergies pour les transmettre au papier afin que vous puissiez visualiser vos buts. Parce que la lune bleue, on l'utilise pour la réalisation des buts. D'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait qui l'appelaient la lune des buts. C'est pour les intentions. C'est pour tout ce qu'on a l'intention de faire. Tous les buts qu'il nous faut atteindre. Tous les rêves qu'on voudrait réaliser. Eh bien, tout simplement, vous allez de temps en temps ou à chaque idée puiser dans la lumière lunaire et écrire voilà ce que vous avez sur le cœur. Par exemple, vous voulez créer une entreprise, vous allez écrire votre projet et vous allez vous mettre dans une ambiance de réussite, avec des sentiments de conquérant. Vous vous mettez à la place de Alexandre le Grand qui veut aller conquérir les Indes et puis vous y mettez vraiment toute votre force, votre foi et votre amour, vraiment votre foi et votre cœur, non pas les organes, mais votre foi en vous, en ce que vous êtes capable de faire et en l'énergie, donc en l'univers qui vous soutient pour réaliser tout ça. Donc ça tient aussi un peu du développement personnel, hein, forcément, mais c'est quelque chose de très spirituel où on en appelle à la lune, à la puissance des énergies de la lune pour pouvoir nous aider à atteindre nos buts. Voilà, donc inutile de tergiverser plus longtemps sur cette petite méthode. Essayez. Et vous verrez, c'est comme le chèque d'abondance. Vous avez été nombreux à vous poser des questions avant de le faire. Et puis finalement, quand vous l'avez fait, ça a été justement l'abondance. Et bien là, essayez. Et vous verrez que vous avez plein de petites ailes qui vont volter au-dessus de vous et qui vont vous porter vers votre but avec une facilité déconcertante, presque. Et bien en fait, c'est toute la force c'est pas du courage en fait, hein, c'est de votre volonté, c'est vraiment la volonté en fait qui va vous porter vers votre but. Vous pouvez même écrire ce que vous voulez vous devenir, mais attention, hein, mettez pas je voudrais devenir comme Mel Anderson ou je sais pas quoi. Il faut que ce soit des choses qui soient en accord avec la nature et en accord avec votre personnalité et votre chemin de vie. Parce que en utilisant du coup la lune bleue, vous allez pouvoir vous recentrer, vous retrouver le chemin intérieur
qui est exactement le même que le chemin extérieur. C'est-à-dire que quand vous allez voir toute la possibilité que vous avez en vous, eh bien en fait c'est un miroir. Cette possibilité-là, elle est exactement la même en face de vous. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une réalité assez dure, où on subit vraiment le joug, ni plus ni moins, de la société, qu'on ne peut pas réaliser ce que l'on veut. Alors bon, il y a des personnes qui vont y arriver très facilement et d'autres qui vont y arriver un petit peu plus difficilement. Il faudra beaucoup plus d'huile de coude, etc. Mais vous y arriverez. Quoi que vous vouliez faire, vous y arriverez. Et si à un moment donné, le chemin bifurque alors que vous vouliez faire ça et puis que finalement, bah, vous allez arriver à ça, c'est très bon, parce que parfois pour arriver à quelque chose qui nous est destiné, il faut qu'on ait envie d'autre chose. Mais ça fait partie de l'évolution. Donc n'ayez pas peur de marquer tous les buts que vous voulez, même si pour l'instant ça vous semble inaccessible, même si pour l'instant vous n'êtes pas forcément sûr de ce but-là. Bon, vous vous dites par exemple, tiens, j'ai vraiment envie d'acheter une maison, quoi. Donc vous le mettez, vous voulez acheter une maison et c'est votre but prochain. Et puis finalement, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'avancée de votre projet, ah bah, ça serait même carrément mieux d'acheter une péniche. C'est pas du tout ce que je voulais à la base, mais j'ai vraiment trouvé, c'était la péniche. Donc, inscrivez tout ce que vous voulez, avec votre cœur, avec bonheur, avec gratitude, comme d'habitude. On le répète jamais assez, mais il faut une véritable gratitude. Déjà, rien que le bonheur de pouvoir voir la lune pleine et ses rayons, je pense qu'il faut avoir beaucoup de gratitude par rapport à ça, parce que d'autres personnes ne peuvent pas voir la pleine lune, parce qu'ils ont une cécité qui les empêche de voir cette beauté-là. Donc constamment dans votre vie, soyez dans la gratitude. Soyez reconnaissant de tout ce qui vous arrive, du moindre petit bonheur qui vous arrive. Ne vous lamentez pas, ne restez pas enfermé dans des problèmes qui finalement n'en sont pas, parce que tout n'est qu'énergie, constamment. Et ce que vous allez faire avec le charme de la lune bleue, c'est une action et énergétique, voilà, tout simplement. Et vous jouez avec ces énergies, et quand même quand vous regardez cette vidéo, vous jouez avec les énergies, vous êtes en train de prendre quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre derrière de faire du bien à d'autres personnes, etc. Parce que en vous alimentant de positif, en alimentant vos pensées de positif, tout ce que vous allez écrire à la lune bleue, vous allez derrière nourrir du positif, parce que tous les buts que vous voudrez atteindre vont impacter des gens. Alors n'oubliez pas ça. Donc vraiment, quand vous allez écrire, faites-le avec le sourire, avec gratitude. C'est pas la peine d'être pieux comme ça. La nature, c'est la vie, c'est le sourire. N'hésitez pas. Voilà. Donc, si vous ratez cette lune bleue du 31 juillet 2015, il y en a une en 2018. Et puis bon ben voilà, hein, c'est pas comme les éclipses, c'est pas tous les 90 ou 130 ou 500 ans. Là voilà, si vous loupez celle de demain, vous en aurez une dans trois ans en fait. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez, pareil, hein, comme d'habitude, des questions, des suggestions, des commentaires XY, eh bien, vous pouvez les faire juste en dessous de cette vidéo et je vous répondrai, comme d'habitude, le plus vite possible. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite la réalisation de vos buts et que votre foi et votre cœur soient nourris des énergies lunaires de notre belle et merveilleuse lune. À bientôt.